on a eu de la chance qu'il se soit pas fait reparer par les caméras de la famille Atakura, parce que sinon... Ah oui, c'était mort. Alors, après, Cynthia, je t'aime beaucoup, hein. Je t'aimais déjà beaucoup hein, de base, hein, mais y a un petit point noir, sans que je ne te connaisse davantage. Mm-hmm. Tu as fait une grave erreur avec moi. Tu m'as piqué mes Diana. Alors, comment qui me parle là, c'est... c'est qui me parlait, là? C'est Skinks. C'est moi. Bah, t'étais pas là, en fait, donc t'étais même pas dans l'image. Oui, mais voilà, ça m'a fait du mal quand je suis venu sur la page et que j'ai vu... Oh mon Dieu, il y a déjà un Medina. Personne ne t'empêche de prendre un Medina aussi, hein. Oui, non, mais moi, je... Voilà, si on est des bons dresseurs, je pense qu'on arrivera à faire la différence. Je ne voudrais pas qu'il y ait une compétition que je gagnerai forcément et qu'il va te rendre triste, tu vois, ça me ferait du mal de faire du mal. De toute façon, mon Medina a déjà plusieurs niveaux d'avance sur le tien, donc... Ah, c'est déjà avant. Oh, il est bien. Et les piquants, c'est avec Elan. Allez, bisous, bisous. Sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un d'assez courageux pour affronter mon Caïminus? Mauvaise voilà. Carte. Ouais, même pas peur. Mauvaise carte, niveau 15. Et il évolue au niveau combien? Alors attends que je retrouve. Bon bah. Ah, pas, il connaît Starz en tout cas, c'est ce qui est important. c'est niveau... Attends, c'est niveau 20... J'espère qu'il connaît aussi Trempette. C'est au niveau 20. 20 qu'il évolue. Ouais. On va voir Poképédia. Level bien. Attends. Attends, mon Wistikram, il est niveau 1. Je crois que je l'avais fait level up. Tu l'as peut-être fait level up et t'as peut-être oublié de le marquer. Ouais. Non, normalement, ça s'enregistre automatiquement dans la fiche quand tu... Oui, quand tu marques les chiffres. Sauf que pour le passage de level, je sais qu'il faut le marquer à la main. Ouais. Va voir Wistikram sur la Poképédia, ses stats de base. Normalement, tes stats de base, tu les as marqués dans ta catégorie Attributes and Abilities. Oui, mais c'est pour voir... Oh, l'accent anglais, magnifique. Non, mais c'est pour voir... je suis trilingue. Je pense que je suis aussi trilingue. Oh, mais voilà. J'ai gagné. Oui, mais c'est pour voir, en fait, combien il est level up, en fait. Pour à peu près... Tu vois ce que je veux dire? Ah, sachant que c'était des dés... 6. Des dés 6, ouais. Non. C'est non, c'est des 3. Des 3? Seulement des 3? Ouais. Ah oui, oh putain, c'est vrai. Non, wow. Des 6, c'était lorsqu'on lançait pour la première fois, mais après, on avait dit que c'était des 3, parce que des 6, ça commençait à monter trop vite. Trop haut, ouais. Ah oui, c'est vrai. En fait, Eoko, tu l'as chopé en Eoko ou t'avais un Corillon avant? Non, dans Ruby Saphir, c'est que Eoko. Car Corillon, il est sur l'île Mystère, je crois. Ah, ok. Ah oui, donc il a bien level up même. Corillon dans... Là, il est au moins niveau 6. Corillon... Ouais, largement 6e... niveau 6, ouais. Non, attends, 6e... Sixième génération, inexistant. Reproduction d'Eoko avec un encens pur. Donc voilà. Mm-hmm. Ah bah oui. Ici, dans cette région, les Eoko naissent dans l'œuf. Le stade Corillon, connaît pas. Et donc il a Flamèche aussi, il a pris Flamèche. C'est ça. Bah, chose qui est un peu bizarre, parce qu'en fait, en vrai... Enfin... C'est un truc qui n'est pas forcément cohérent, parce que quand tu vois que c'est pas logique qu'un Eoko naisse d'un œuf, alors que biologiquement, un Eoko est un Corillon. Ah bah oui, non mais je sais bien, mais il faut dire ça aux créateurs Pokémon qui ont pensé à mettre des pré-évolutions après la découverte des évolutions. C'est pas moi qui faut le dire, hein, genre tout doudou. Genre tout doudou. Voilà, tout doudou, petit ravi. Voilà, tout ça. Mais m'en fous, quand j'aurai mon petit ravi, ce sera le plus beau des petits ravis de la. On dit merci à Game Freak. Mais qui Flamèche Wistikram? Ouais, il a pris Flamèche. Là, je suis content, il a un petit stab, ça fait plaisir. Niveau 7, ça, non? 6. 6. Non, mais c'est pas mal, hein, j'avoue.
L'énergie, rappelle-moi l'énergie, c'est les PP. Sur l'entièreté des équipes, il y a plein de Pokémon que j'aime bien. Il y en a que peu qui sont pas dans mon panel d'intérêt. Sur ma génération préférée, c'est la troisième, donc le choix est étouffé quand on m'a dit qu'on commençait à Owen. J'étais intenable, les autres sont parfait. Figurants. C'était parfait. Alors, il me semble. En même temps, j'avoue, dans la troisième G, il y en a tellement qui sont trop bien des Pokémon. Bah, après, tout ce qui est Game Boy Advance, tout ça, c'était mes années formatrices. Hein. Le Pokémon Saphir, Harry Potter 3 sur Game Boy Advance, quoi d'autre. Après, j'avais pas une grosse passion pour les starters. Mais il y avait Medina, il y avait les formules Beauty de Chenipot, il y avait Tarsal, il y avait. Mais même Eridel et sa pré-évolution, ils étaient cute la Spock. Oh, on dirait un oiseau qui est à côté de chez moi. C'est ça, l'hirondelle, Craquenoir, Chamallow, Tilton, c'est Vipère. Putain, j'ai découvert c'est Vipère. Alors moi j'étais Team Mangriff. Moi aussi. Attends. Mangriff ou Sévipère. Ah non, excusez-moi. Staldamin, Opali. Putain, Opali. Alors il a pas réussi à remplacer la Mantine, mais Opali en vrai, pas mal. Bah, surtout que la Mantine c'est une évolution. Oui, Opali, non, mais je veux dire, Clémorce, la Mantine, tu vois. Clémorce a pas réussi à détrôner la Mantine, bah, mais c'est un beau Pokémon. Que t'es obligé de l'affronter dans la Ligue des 4 et. Il m'a un petit peu fait douiller, alors sur Clémence, ses moustaches, elles sortent un petit peu par les oreilles. Non, j'avoue, il était un peu violent. Ah ouais, ça y est, je me rappelle maintenant. J'avais tellement la flemme de faire level up mes Pokémon que je l'ai pas fait en fait. C'est pour ça qu'ils sont tous level 1 encore. Donc là. Je me disais bien, il y avait un truc qui était chelou aussi. Ah, tu m'étonnes. T'entendais pas ? On t'entend pas du tout. Ah, vous m'entendez pas ? Bah oui, c'est vrai, j'ai baissé. Ouais, non. Très très bien. Non, en fait, c'était tout simple. Ça commence toujours comme ça, puis après, on commence à entendre la télé. Ensuite, on lui demande de baisser le son. Ensuite, on l'entend plus. On refait le même trajet. Et en son étant on entend l'enfant qui crie. Normalement, il est dans la chambre, mais bon, je sais pas si ça va durer. J'aimerais bien. Pour 21h quand même. La joie des parents, c'est pour parler dans sa chambre toute seule. Faites que ça dure. Moi, il fallait pas me le dire deux fois pour que j'aille jouer dans ma chambre. Hein. Alors, en vrai, il y a un truc magique qui s'appelle le dé à coudre de Rome. Pardon ? Ah, pour faire dodo à un enfant, le dé à coudre de Rome, c'est magnifique. Ah, ouais, non, on va éviter de commencer l'alcoolémie infantile. Pour qu'elle reste dans la chambre, tu lui lances la déesse sur le lit, tu fais. Va chercher la DS, tu fermes la porte. Ouais, non, mais faut pas mettre les enfants trop près devant l'écran trop vite. Arrête, moi j'ai commencé à 3 ans. Hein. Bah regarde ce que t'es devenu. Un génie. Je suis devenu un maître en stratégie Pokémon. Oui, non, mais oui. Alors là-dessus, on peut pas nier que tu as un certain skill en stratégie Pokémon. On ne peut pas le nier, c'est vrai. Ah, tu veux sortir Minette ? 2 secondes. Bon, alors du coup, j'ai remis mon micro un peu tard, mais bonjour, hein, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais comme mon micro était coupé, je n'ai pas entendu. Effectivement. Salut ! Ouais. Et moi qui avais peur tout à l'heure de couper un micro, mais en fait, comme du coup j'avais le micro coupé, je ne l'ai pas coupé, c'est... Je me suis auto-coupé. Du coup, pour dire à Sayuko que, en fait, les autres sont dans un dojo où le maître du dojo s'est amusé du coup à pisser sur. Enfin, faire une petite séance de nudité et de. À commettre des petits délits. Oui, d'urination sur le mur des actionnaires du dojo. Oh, regarde ça. C'est l'air majoritaire, je suis même sûr. Oui. Peut-être même le seul, mais. J'ai réfléchi pendant un mois, je me suis dit, mais en fait, c'est le seul, en fait, quand je regarde.
Si tu veux, il a des élèves et celui qui fait les conneries. C'est ça. Super. C'est un enfant dans un corps d'adulte. C'est quoi déjà qu'on avait dit à la dernière fois, mais comment il a fait pour devenir maître du dojo? C'est ça. C'est la question à 1 million. En fait, c'est juste une star, le mec, comme c'est un coordinateur de grand talent et un ancien maître. Les gens ont très peu à dire, mais... Il a des privilèges. Bon. Oh, c'est beau, hein. Bravo. C'est clair qu'il a des privilèges, pour le coup. Et il avait sa dernière action de gloire. Il l'a faite avec un certain Nagatsuka. Hop, je vais le mettre parce que toi, tu l'as encore jamais vu. Nagatsuka, qui est un copain des montagnes du coin, et qui est descendu après quelques mois pour se bourrer la gueule avec Marc. Uh-huh. Et quand Marc était en train de dormir, en train de décuver au commissariat, Nagatsuka, lui, était en train de dormir dans la haie du dojo. Dans la haie du dojo. Super. On se demande par la faute de qui. Voilà. Et de ce fait, au matin, vous aviez parlé avec lui et Marc. Et ils avaient émis l'idée que vous auriez affronté Nagatsuka en match amical pour vous entraîner. Sachant que c'est ça, non? Si je ne me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Et chacun de ces Pokémon, à chaque fois, un de nous allait devoir l'affronter. C'est ça. Mmh. Alors, on avait préparé un Smogo Eoko, un Sabelette Caiminus, un Aquaquack Cabriolène et un Scarabrut Brasillon. L'avantage aux joueurs du groupe. Et pour ce faire, il vous propose d'aller dans un parc. Est-ce que vous le suivez? Oui, si on a fait tous nos trucs avant, oui. Sachant que je vais laisser Ptera au dojo pour qu'il veille à ce qui se passe rien pendant qu'on n'est pas là. Mmh. Et comment il s'appelle Finn, le personnage de... Oui, il s'appelle Finn. Mmh. Mmh. Finn, quand vous allez aller vers le parc, tu vas voir une jeune femme qui est en train de s'amuser avec avec son quoi? J'ai oublié. Tu préfères quoi, le crack noir ou l'autre? Ah, pardon. En termes de s'amuser, j'aurais tendance à dire Lupilla. D'accord. Du coup, tu es en train de t'amuser avec. Et toi, Finn, tu vois qu'elle s'amuse et que ça t'intrigue un petit peu, puisque le crack noir a l'air d'être... c'est un crack noir, quoi. Donc, ça paraît être un sacré défi aussi pour certains de tes Pokémon. En réalité, je comptais surtout suivre le groupe. Hein. Et de ton côté, Sayuko, tu vois l'une des têtes montantes en tant que maître, Nagatsuka, et surtout Marc, que tu vois avec ses élèves qui passent par là. Toi qui, pour l'instant, n'a pas de dojo, ça te dit peut-être que tu as une opportunité à saisir, peut-être.
Est-ce que tu cherches Est-ce que tu tentes ou pas? Oh bah, tant qu'à faire, oui, hein, je repose gentiment sur ses quatre pattes mon bulle bizarre, à qui je faisais des ronrons sur le ventre. Je lui dis de me suivre et je vais gentiment m'approcher de ce groupe mené par Marc. Du coup, ceux qui sont avec Marc voient une jeune femme arriver vers vous. Qui passe sa main dans ses cheveux, qui les balance en arrière. Et qui sourit en approchant. J'ai un petit coup de coude sympa à Cynthia, je lui fais Ah, regarde. Cynthia est silencieuse. Ouais, fais dodo. Cynthia, elle est occupée. Cynthia, elle est occupée dans. Donc, elle se Elle prépare. regarde. Elle regarde, ouais, elle regarde tout autour et la personne arrive et elle continue de regarder. Alors, Quand j'arrive à la hauteur, je dis bonjour. et tu vois Marc qui détourne le regard directement vers toi et dire bonjour, comment tu vas? Oh, ça va plutôt bien. Il fait beau. On est bien accueillis ici. Mais je me disais, puisque vous avez l'air d'être bien accompagné, je me disais qu'il serait peut-être intéressant d'avoir un dojo auquel être rappliqué. Oh, ça tombe bien, on recherche du monde. Il vous regarde un petit peu, tous. Il a l'air de penser à quelque chose en particulier, mais bon, bref. Mais effectivement, nous sommes très intéressés par ta proposition. Ça tombe bien, nous devons nous entraîner. Tu as quelque chose dans les mains? Dans les mains, Des Pokémon, quoi. à part mon but bizarre et mon crâne noir, pour l'instant, non, mais ce sont de très bons compagnons. C'est pas grave. Vaut mieux ça que rien du tout. Ah oui, c'est vrai, la vie serait triste sans eux. Et elle passe les mains derrière son dos et elle se penche sur le côté en souriant. Eh bien, très bien. Eh bien, écoute, joins-toi à nous et on te retrouvera des adversaires. Du coup, il regarde parmi vous. Vous dire à voix basse, chacun votre tour, vous auriez pas un Pokémon pour qu'il en affronte au moins un? Enfin, je pense que ça devrait pas être trop long, il devrait. J'ai bien mon Ousticram, moi. Ou alors j'aurais mon Yoyu. Ouais, on va lui mettre un mal. Et c'est au choix. Sympa. Okay. Bon bah c'est bon, tu peux venir. Et bon. Super! Je vous suis! Et j'attrape mon bulbe bizarre dans mes bras. Et il te regarde, il fait, c'est pas trop lourd, ça va? Oh non, oh non, j'ai l'habitude maintenant. Il fait son petit, il fait presque son petit 8 kilos, mais c'est 8 kilos d'amour. C'est sûrement. Excuse-moi, Arca, je viens juste de voir le surnom que t'as donné à un petit cocoac. Vous allez un petit peu plus loin. Marc dit à Nagatsuka, je crois qu'aujourd'hui, tu vas perdre. Tu vas voir, mes élèves vont te foutre une dérouillée facile. L'autre, il vous regarde du coin de l'œil et vous dit, jamais ça n'arrivera, ne rêvez pas les jeunes. Prépare-toi à bouffer du sable.
Oh, j'ai déjà bouffé une haie cette nuit, ça suffira. Hop, vous arrivez dans un parc, vous êtes arrivé dans un parc, vous allez un petit peu dans un coin un petit peu isolé, avec une sorte de rivière qui coule à côté, un petit peu en loin. Il y a un petit peu de bois, c'est un petit peu irrégulier comme terrain. En gros, il vous amène dans un décor comme celui-ci. Oh, il y a des maps. C'est beau. Du coup, je pose mon bulle bizarre dans l'herbe pour qu'il puisse se dégourdir un peu les papates. Ah mais là, à ce niveau-là, il fait tellement beau, tout le monde dort. Hein. J'allais dire une connerie. C'est ça. Ah, mon pauvre frat noir, il va peut-être se sentir pas extrêmement à l'aise dans ce milieu très très broussailleux. Moi, ouais, ça serait bien dommage. Alors, on avait dit qu'il y avait Eoko, je vais les mettre tous comme ça, on sera tranquille après. Kaiminius. Je te laisse mettre le Kaiminius parce que je le trouve pas. Yes. Le magie part pour le milieu des carpes koi. T'as vu? La strat. C'est un raccord parfait. Il a pop ou pas? Il a quoi? Kaiminius, il a pop? Non, je ne vois pas. Pop. Non. Je regarde toute la map si je veux. Non, il veut pas. Oh, Medina. Ah, Medina! Pokémon! Tu l'as appelé Croquis, c'est ça? Ouais. Yes, yes, c'est bon. Alors. Ah, Kokoda. Kaiminius, Cabriolen, Cabriolen ou pas? Je le vois pas. En vrai, on serait tellement à l'aise avec un multi-exp. Un multi-exp? Comme celui qu'on doit récupérer au au magasin. Oui, ça c'est surtout si j'arrive à refaire le même jet que la dernière fois. Normalement, ton jeu, c'était simplement avec ton idée de dresseur, ça, non? Comment on avait fait? Non, en fait, c'était toi et un autre personnage, vous étiez en train de faire votre intro, et juste pour le love, vous avez joué à l'autre. On a fait, allez, si j'essayais. Et justement, ça a été, tu aurais gagné un multi-XP. Mm-hmm. Toi, tu regardais pas, je vois.